Bonjour tout le monde, ici Jay sur Ivasan Studio. Ivasan Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une petite association qui fait de la radio, du gaming, des ateliers socio-professionnels. Et c'est comme si une petite asso, on n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de budget. On a une campagne de crowdfunding en cours qui est à ma droite de l'écran. Pensez à la soutenir, c'est hyper important. On a des vidéos explicatives qui expliquent justement tout ce qu'on fait. Donc partagez-les, diffusez l'information autour de vous, diffusez la bonne parole. Soutenez le monde associatif, soutenez Ivasan Studio. Pour commencer aujourd'hui, et pour terminer aujourd'hui, je l'espère, Crash Bandicoot Insane Trilogy, et plus précisément, l'épisode 1, qui était censé être fait samedi dernier en entier, au final, il n'y a eu que deux mondes qui ont pu être faits. Il va falloir faire le monde 3. Ça va être difficile. Si vous avez suivi samedi dernier, vous savez que ça va être difficile. Vous le savez. Et moi aussi. Et je dois vous avouer un truc. Ne tardez pas, pour de vrai. Je me souvenais pas qu'il était aussi difficile. C'est horrible, mais c'est horrible. Voilà. Bon, allez, on y va. Je sais plus comment on joue. Et encore, tu fais pas le 100%. Ah non, 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 100% je le fais pas, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Sur Spyro, j'ai tenté. Il manquait que des trucs, des niveaux de vol. J'étais presque, mais alors Crash, non, c'est mort quoi. Bon, c'est quoi ce niveau? Comment on saute? Comme ça. Tornade, ok. Y'a un double saut ou pas? Oui, non. Pourquoi y'a une plateforme ici là? Pourquoi y'a une plateforme juste là? C'est quoi ce bordel? Elle sert à quoi cette plateforme? On peut penser à un niveau de splasher, tiens. Eh bien, ça commence bien. Ok, mais j'ai l'impression qu'on s'approche de Monsieur Docteur Néocortex quand même. Il y a des haines sur les monstres. La haine n'apportera rien, Anakin. Wow! D'où la plateforme m'embarque avec elle. Ça commence, ça fait 3 minutes que j'ai commencé, oh, je suis déjà sur un game over quoi, sérieusement. Oh. Sérieux. Je suis dégoûté. Ce jeu m'en veut en fait. Ce jeu m'en veut quoi. Alors derrière, qu'est-ce que tu dis, Mara? J'ai partagé une info. Faut que je partage une info sur le Discord. J'ai remarqué que j'avais gratuitement Ratchet & Clank sur PS5 avec le PS Plus. Sérieux? Même si les gens, ils peuvent l'ajouter à leur bibliothèque. Ratchet & Clank? Ils viennent sortir. Ça doit être une offre promotionnelle, commerciale spécifique alors. Hop là, hop là, hop là. J'ai une PS4 qui traîne, qui me sert pas trop. Ouais, mais non, Ratchet & Clank, il est exclusif PS5 en plus. Choqué. Heureusement que j'ai pas acheté le physique. Mais ils avaient fait pareil avec Oddworld Soulstorm. D'accord. C'est les trucs chaud-froid là, ça me paraît chelou hein. Pourquoi il y a des choses en bas? Il y a un passage en bas, c'est ça? Pourquoi il y a des monstres en bas là? Pourquoi il y a des monstres en bas? Juste derrière le panneau du crotoni. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pour moi ça veut dire il y a un passage en bas mais t'as pas intérêt à te raser. Pour moi ça veut dire ça. Sérieux, c'est tentant. Je viens à peine de commencer. J'en étais sûr! Allez.
On remonte. Ah, c'est un ascenseur. Hop là. Tac, 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 voilà, c'est bon. T'as l'œil. Ah ah. Je rappelle que le jeu de plateforme, c'est quand même mon type de jeu favori. Et je tombe, me brûle sur un tuyau. Hop là. Alors j'ai bien dit favori, j'ai pas dit là où j'étais bon. Ce sont deux choses différentes. Oui. Hop là. YOLO. Aïe, maintenant on se tape un... Comment ça s'appelle ? Un escalator, c'est un tapis roulant, tout simplement. Alors, hop là, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je me suis fait toucher, sérieux? Hop là. Oh punaise, j'ai mis le pied. Et on recommence du début parce que j'ai pas trop réussi à aller au checkpoint. Par contre, cette plateforme là m'intrigue. Je sais pas pourquoi il y a cette plateforme là. Hop là. Hop là. Wow. C'était pas prévu ça. Tac. 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 On enchaîne. Allez, jusque là ça va. Tac. Ensuite, on y va. Le truc qui brûle, on fait gaffe. J'ai réussi à péter la TNT, c'est pas grave. Les petites pommes. Non, pas les pommes, les mangues. Comme dit Rando, les boompats. YOLO. On récupère le masque. Tac. Les pommes. Les mangues. Des fruits, on va appeler ça des fruits. On remonte l'ascenseur. On revient là. Ça me donne trop envie de faire les épisodes 2 et 3, de te voir jouer. Ne vous attendez pas à ce que je fasse les épisodes 2, 3 et 4 sous peu. Ça arrivera, comme je l'avais dit la dernière fois, un jour, peut-être. On verra. On va faire un épisode par an. Résultat, vous aurez le 4 dans 3 ans. Là, il y aura la Switch Pro qui sera sortie. Nintendo, ils ont tellement troll sur ça. Ils laissent fuiter des choses. Les journalistes sont en mode mais si la Switch Pro sera annoncée à l'E3, vous allez voir et tout. Pas de Switch Pro, rien que dalle. Bien fait, les journalistes. C'est tellement évident. Moi, bon, j'ai plus de masque. Hein. YOLO. Ah lui il m'embête lui. YOLO. Oh sérieux. Pourtant ça avait été annoncé finalement avant le 3 qu'il n'en parlerait pas. Oui oui mais tout à fait hein. Mais bon les gens qui se disent mais si vous allez voir et tout. Ah bon. Pour moi ça me paraît trop comment dire. Trop tôt, mais bon, ça y est, je me brûle dessus. Mais en même temps, il faut dire que la Switch est sortie en 2017. Donc elle commence à avoir un certain vécu. Et beaucoup de jeux. Mais il ne faut surtout pas oublier que, entre temps, nous avons eu la Switch version 2. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Il y a la Switch version 2, celle qui est actuellement commercialisée. La Switch version 1 n'est plus commercialisée. C'est une Switch améliorée avec un peu plus de performance, un peu plus d'autonomie et surtout des Joy-Con qui ne driftent presque plus. Pas comme la Switch première du nom, donc celle que j'ai. J'avais acheté, j'avais précommandé et reçu jour J. Donc bon, et ça, cette Switch-là est assez récente du coup. On a eu la Switch Lite en V1 et V2 et ça aussi c'est hyper récent. Donc Nintendo n'a pas de raison de lancer une Switch Pro là maintenant. Dans 6 mois, on va pouvoir se poser la question. Dans un an, on va pouvoir encore plus se poser la question. Et surtout, dans un an, avec Breath of the Wild 2.
Il faut pas l'oublier ça, le premier jeu sorti sur Switch c'est quand même Zelda Breath of the Wild 1. Donc pour moi ça serait logique que la prochaine console sorte avec Zelda Breath of the Wild 2. YOLO! Salut Eleanora! YOLO! Eleanora qui a magnifiquement gagné le quiz hier haut la main! Et qui a gagné le petit jeu Splasher. Un jeu magnifique sur lequel j'ai speedrunné. Et j'ai fini le jeu en 30 minutes. C'est faux. C'est complètement faux. YOLO! Oui! Mais pourquoi j'ai été touché? Je comprends pas. J'ai été touché, je ne comprends pas comment j'ai été touché. Je sais pas. Toi, tu t'en... Voilà, pourquoi je me fais toucher, je comprends pas. Ce serait une bonne opération de leur part. Ouais, complètement. On recommence le niveau du début. Je comprends pas comment j'ai été touché, en fait. Qu'est-ce qui me touche de ces choses-là? Qu'est-ce qui me touche avec ces choses? C'est leur anneau rouge, là? Leur objectif de caméra zoom. Tac, tac, tac. Le masque. Voilà. YOLO. YOLO. Tac, recule. On avance. Petite caisse. Tac, tac. Voilà. Hop là. Et là, on tombe. Voilà. Ici. On fait comme ça. Tac. On avance. Ascenseur. On remonte. On vient ici. Hop là, on se fait, les gars, attention de pas se faire cramer les pattes. C'est déjà assez chaud comme ça, il n'y a pas besoin d'aller se cramer les pieds. Hein. YOLO! Punaise! C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien l'été, et j'ai pas beaucoup de raisons, c'est de pas porter de chaussettes et de se balader pieds nus tout le temps. Sinon, en général, je suis tout le temps en chaussettes. J'ai les pieds tellement glacés en permanence. Bon, et les mains aussi. En général, le nez, les oreilles, les mains, les pieds. C'est hyper glacé chez moi, même en été. Allez. Oh là, c'est bon. YOLO. Bonjour. Oh, le checkpoint. Ah, trop bien. Ça fait combien de temps? Un quart d'heure qu'on a commencé le niveau. Premier checkpoint en un quart d'heure. Hop là. Comment je passe? Faut que je passe. Faut que je passe en dessous, hein, c'est ça. Ou alors je sois doué. Et de passer au-dessus. Hop là. Tac. 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 Hop là. Hop là. J'ai paniqué, j'ai fait des choses, ça a fonctionné. Hop là. Hop là. Oh non! Mon masque, j'avais pas vu que ça balançait de la vapeur, ces choses-là. C'est... Oh! Ah, c'est chiant. Il devient de plus en plus hardcore les levels. Ah, complètement, ouais. C'est le temps que tu te réveilles et que tu te chauffes. Voilà, ça, complètement. Hop là. Alors, la vapeur. Faire attention à la vapeur. On passe. Une vie. Ce niveau offre des vies. Hein. Oh! Bah, à propos, on va récupérer d'autres. 19 caisses qu'on n'aura pas, bien sûr. Non! Bon, c'est pas. Oui, non, mais on perd pas de vie dessus. Ne pas paniquer. Sur ce niveau, je ne perds pas de vie. Je peux le recommencer à l'infini. Je retiens. On y retourne. J'aimerais bien avoir au moins une vie supplémentaire, ça serait chouette. YOLO! 1, 2, 3.
4. Ah, punaise. Allez, on y croit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des choses en bas, il y a des choses en bas, il y a des choses en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai dit, 5, j'ai dit. Oh punaise, j'ai paniqué. Ah. On y retourne. Ça coûte rien. Hein. En profiter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute. C'est pas grave pour les deux dernières caisses. Ce que je voulais, c'était des Wumpot. Oh, 99, sérieux, il me manque une. Il me manque une mangue. Il n'y a pas de vapeur, hein. Punaise, si je me fais toucher sur ça, ça va être horrible, quoi. YOLO. Oh là là, le tapis roulant de la mort qui tue! Hop là, là il y a de la vapeur. On attend, vapeur, vapeur, hop là, tac. J'ai pas fini, j'ai envie de finir en nourriture. Comment on appelle ça, les petits trucs, les petites bouchées à la vapeur japonaise? Comment on appelle ça déjà? Punaise, je sais que j'adore ça en plus. Oui, la vie! Et échec point! Trop bien. Ah! On descend. On descend. On voit que le masque il est là. Alors on va faire quelque chose de bien. C'est-à-dire on fait ça. Ça. Voilà. J'ai failli me rater, mais ça fonctionne. Pourquoi il y a quelque chose en bas là? Pourquoi il y a. C'est quoi? C'est juste du décor? Non, c'est pas du décor. Si, c'est du décor. Okay. Ascenseur. Ça commence à être étrange là, il y a des câbles électriques maintenant. Hop hop hop, hop hop hop. Oh! Ça m'a fait peur. Où est le piège? Non, il n'y a pas de piège. C'est juste pour faire joli. Alors, il y a deux choses qui vont m'enquiquiner, c'est bon, ça passe. Ensuite, le froid. La caisse. Oh, toutes les mangues que j'ai ratées. Bon, c'est pas grave. Les dumplings. Les gyoza, voilà, c'est ça. Les gyoza. C'est trop bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un ascenseur vers horizontal. Punaise. C'est dégueulasse. Oh. Hop là. Doucement. Voilà. Donc là c'est on monte. Et là, je me fais pas avoir. C'est horizontal. Ça tombe pas ça. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Un niveau bonus que je connais pas encore, puisque j'ai jamais réussi à les avoir ces trois là. C'est des caisses aussi, c'est juste de la caisse. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ou alors si j'ai déjà réussi à les avoir, mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux de mort? 1, 2, 3. C'est un fichu parcours qui va jusqu'au bout. Ils sont plus hardcore ces niveaux bonus. Ok. Ou alors j'ai peut-être lu la semaine dernière, mais je ne m'en souviens pas. Allez la vie! C'est pas grave. Sur ça, c'est pas grave de perdre. On peut y retourner à l'infini. Par contre, faut pas que je me prenne les tuyaux brûlants à gauche. À droite. Enfin, à gauche et à droite, ça dépend dans quel sens Crash regarde la caméra. Je ne dois pas sauter. Je dois juste poursuivre le chemin sur la droite. Là, oui, là, fallait que je saute. Sérieux? Je vais pas faire 30 essais de cette chose, hein, je vous préviens. Non! Eh bien, on va s'arrêter là sur ce passage là. Hop là, ici. J'ai eu peur! Je croyais que c'était encore un truc horizontal, mais en fait, non. Où est le piège? Pour le moment. Yes. Le plein de vie. La fin du niveau! Oh, trop bien! La fin du niveau, un niveau fait en 20 minutes. Il y a 13 niveaux. Ça fait mal, hein? Oh, merci. Complètement écrasé, ouais. J'aimerais tellement avoir un masque comme ça en décor. Cortex Power. Oh non, 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 non. 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 Bon, ce sera un niveau court. Ah non, je croyais que c'était la bouboule. Ah non, ça va. Je croyais que c'était un niveau runner, mais en fait, non, ça va. C'est quoi, ça? Ok, d'accord, j'ai compris. Bizarre d'avoir une vue comme ça là sur la caméra. Il y a une vie sur la... Ah! Là c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Est-ce que je vais à gauche? Ou est-ce que je vais à droite? Là il y a une vie, mais ça veut dire attention niveau dangereux. Ou alors est-ce que je viens là et attention niveau moins dangereux. Mais dans tous les cas on peut faire ça. Je crois. Je prends la vie et je me barre de l'autre côté. Hop là! Mais c'est qu'il est fourbe! Ok, un escalier.
Attendez. Parce que là, ça continue tout droit, mais là ça descend en fait. Ça veut dire qu'on va pas être sur le même niveau du niveau. Je vais aller là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il sort d'où lui? C'est qui? C'est quoi ce rat là? Qu'est-ce que c'est que ça? Les bonnes vieilles vues carrelage de la PS1. Ah ouais, complètement. Encore une vie? C'est ici qu'il fallait que je farme les vies en fait, et pas ailleurs. En diagonale? Eh mais je suis pas là pour faire de la gymnastique acrobatique. Hein. Sinon j'aurais choisi de jouer à Ring Fit. Ce serait bien de faire du Ring Fit, bordel. Alors attendez, il y a quelque chose, je crois que c'est un masque sur là, en haut à gauche. Et en bas de moi là, je crois qu'il y a une plateforme, mais j'en suis pas sûr. Tellement stylé ces mobs. On peut dire qu'ils se tirent raté. Joli, bravo, il est un aura, j'aime beaucoup. Est-ce que, monsieur Imra, vu que toi tu as fait le jeu, tu peux me confirmer que en bas à gauche du poison vert, il y a bien une plateforme ou pas du tout? Est-ce que c'est une plateforme? Est-ce que je peux y aller? Mais vu qu'elle est transparente, j'ai peur que je ne puisse pas y aller. Parce que j'aurais bien récupéré le masque en vrai. Ouais, je fais ça tous les matins, Crash Bandicoot. Mais vraiment. Non, faut une gemme. Ah oui, il faut une gemme. Bon, mais je me casse. Dommage, parce que j'aurais bien récupéré le truc là-bas. Ensuite, ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, ça passe. Encore une vie? Il y a le checkpoint juste là. Et une vie supplémentaire. Eh ben, c'est la foire à la vie. Hein. Et ici, c'est... Ok, bon, on n'y va pas, là, c'est mort. Je vais me chier. Checkpoint. La panique. C'est louche autant de vie. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Non sérieusement, faut arrêter là, j'ai gagné 10 vies, c'est quoi ce bordel? Là j'étais obligé de le prendre, je savais que ma maladresse... Encore un chemin. C'est quoi ce truc? Mais pourquoi il y a encore un chemin là? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Mais non, ils sont gentils dans le jeu, c'est tout. Oui, bien sûr. C'est la première impression dans un jeu. Oh oui, des vies, merci beaucoup. Et après tu te dis, attendez, des vies, une sauvegarde, ça cache quelque chose. Oh punaise. Fin du niveau? Sérieusement? Je pense qu'il y a une sortie alternative dans le niveau par contre. Mais vraiment. Je pense sérieusement qu'il y a une sortie alternative dans le niveau. Ces points rouges, bordel, tous les niveaux qu'il y a. C'est horrible.
Allez, troisième niveau du jour. Dont un qui était fait en beaucoup de temps, l'autre salé. Bonjour Néocortex. Mais quel imbécile! Je suis juste tombé. Voilà, j'ai perdu une vie gratuitement. En fait, le jeu il m'a donné des vies, ils se sont dit, attendez, qui c'est qui joue? Jake? Ok, d'accord, on va mettre des vies. Hein. Genre, le jeu il en a marre d'afficher l'écran de Game Over. Y a un truc là-bas? Je crois qu'il y a un truc sur la droite, mais je suis pas sûr. On va pas le tenter, hein. Ça se casse la gueule. Ok. Ou à droite? En face ou à droite? Suspense. Salut Bipoland. Tu taffes à côté? Ah bon courage Bipoland. Bon courage. Tu taffes dans quoi? Enfin, vu que c'est à côté, je vais supposer que tu es sur le bureau. Donc on va dire que tu es dans l'informatique. Au pif. Est-ce que je vais en face ou à droite? Il fallait aller en face. Mais il y a quand même des vies. Hein. Oh punaise, mais ça se casse la gueule! Ok. Le checkpoint et la vie! Oh. Maintenant. Pas maintenant. Fallait pas y aller maintenant. Heureusement que ça laisse dead l'ennemi. Hein. Allez. Ah, oh, punaise. J'ai l'impression d'avoir sauté en vrai comme Crash a sauté quoi. Ça m'a essoufflé, dis donc. Ah, j'avais pas prévu ça au programme. Punaise. Oh, les bêtises. Comme Sabine Paturel, ceux qui auront la ref, c'est que vous êtes aussi vieux que moi. Je suis vieux. Hop là. Ok. Le checkpoint, vous l'avez vu en bas là? C'est dégueulasse, où est-ce qu'ils l'ont mis? On va peut-être pas dû prendre le masque maintenant, je pense. Il fait rien que des bêtises quand c'est pas là. Ouais, oui, c'est ça. 8 caisses. 1, 2. Pas grave. Est-ce que je garde le masque? J'ai perdu le masque. J'aurais pas dû le prendre. Ah là là! Il y a un passage alternatif dans le niveau.
C'est parti les amis, attrapez le pompon. N'importe quoi. Ça fait tellement longtemps que je suis pas dans une plateforme. Mais bizarrement, ça me manque pas. Sauter. Et voilà, c'est ici que je perds du temps. Il n'y a que 8 caisses, donc c'est possible. Hein, enfin, tu me diras si le jeu l'a fait, c'est que c'est possible. 1, 2, 3, 4. Et donc, j'en fais 4. Pourquoi j'arrive pas à faire les 4 autres? J'arrive à faire 50% de ce niveau bonus. Mais ça fait 3 mètres. Bah oui, et alors? Ne clippez pas ça. On recommence, on n'a rien vu. Au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est bon, ça, vous pouvez clipper. Easy, premier coup. C'est bon. Voilà. Mais c'est comme la dernière fois, le niveau du pont. 2 heures dessus, allez on fait une pause, après la pause, nickel ça passe. Voilà. Un ascenseur. Non! Oh mon dieu, j'ai eu peur. Alors, vous remarquez, si vous avez fait attention, je n'ai pas pris le checkpoint. Parce qu'il était trop bas pour moi. Ils mettent des checkpoints dans des endroits horribles. Donc, Mais c'est quoi ce niveau usine, là? Ils font comment, les employés, pour bosser dans cette usine? C'est Fort Boyard, quoi. Et voilà, le checkpoint! Punaise! Ah bah non, mais attendez, c'est le checkpoint que je parle depuis tout à l'heure en fait. Ah, je croyais qu'on pouvait le prendre d'un coup, mais en fait non, c'est bon, ça va, on fait les choses dans l'ordre. Ok. 1, 2. Allez, yes! C'est pas grave. Checkpoint. C'est quoi ce truc? C'était juste pour m'embêter? D'accord. Alors attendez. Il va falloir se synchro là-dedans, là. Maintenant. Alors c'était presque ça. Voilà. Ascenseur? La TNT, non, on va éviter. Hein. Là, ça descend. On va sur la gauche. C'est quoi cette plateforme? Ok. Trois vies.
danger, safety first, CEO, pinstriple, potorote. Si, si. Ah bah fin du niveau. Ah d'accord. D'accord. Allez. Marquis. Allez, plus que 10 niveaux. Toxic Waste. Ah, je crois que c'est un boss. Ah, flûte. Alors attendez. Je suis capable de perdre les 16 vies sur ça, je vous préviens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. Là, il va apparaître. Non ? Si. C'est pas un niveau boss ? Bah, quand même, c'est particulier ça. C'est pas un niveau boss ? Sérieux ? Si, c'est un niveau boss. Point. Pardon. Il y a deux niveaux bonus en DLC, tu les feras aussi? Je sais pas, on va voir. Peut-être. En vrai, peut-être. Hein. Je me suis approché trop près, j'ai perdu mon masque. Sérieux? Ce niveau me stresse et c'est con parce que le principe est simple, mais en pratique, c'est autre chose. Punaise! J'y arrive pas à trouver le timing sur ce tonneau de nul là.
On dirait qu'il n'y en a qu'un seul qui saute. Reviens en arrière dans le niveau pour te planquer. Je pense pas, je crois que j'en ai vu deux. Hein. Je crois qu'après ça alterne un qui saute, un qui roule. Oh punaise, t'as peut-être raison. Et non, t'as pas raison. J'ai pas le timing. Bonne chance alors, merci beaucoup. Enfin, vous commencez à savoir comment je joue. Vous savez très bien que sur un niveau comme ça, on peut y aller jusqu'à 17h. Donc faites-vous un café si jamais. Faites-moi un aussi au passage. Je sais pas quoi. Voilà. J'ai encore qu'un seul café depuis que je me suis levé. Alors, faut pas que je réfléchisse à ce que je vais boire. Il y a de l'eau, c'est déjà pas mal, de l'eau. Comme Cristiano Ronaldo qui a fait perdre 3 ou 4 milliards à Coca-Cola. Là. Hop là. Pour le coup, c'est un des niveaux où j'ai le plus galéré. Ah! Et si j'y vais en mode YOLO? Punaise! J'ai pas compris comment je suis passé. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu bon? Ça va être l'enfer. Punaise. Ah. Je comprends pas où est-ce que ça tape sur la grille en fait. Ça tape tout le temps au même endroit sur la grille, mais pour l'instant j'en arrive pas à voir le. Okay. Si quelqu'un veut se lancer dans un best-of de toutes mes morts dans Crash Bandicoot, le message est passé, là. Vous plaisir. Faudra que je demande à Imagiro son template d'ailleurs pour ça. Il avait fait de super choses sur Mario 3D World en best-of. Allez! Bon, je crois que j'ai une idée. Et le jeu qui se dit, tiens, on t'offre un masque, t'es nul, on va t'aider un peu, et pour le stream, faut commencer à avancer. C'est le jeu qui dit ça, c'est pas moi. Je vais me cacher ici. Regardez, je suis caché. Oh! Oh, Lévi! C'est parti. Il risque d'être long, le best-of, non? On fera des parties de best-of. Best-of partie 1, partie 2. Et ça fera du contenu pour tout l'été. Ah! J'avais pas calculé ça. Ok. J'ai
J'ai fait une bêtise là. Ouais. Faut que je sois plus rapide que la TNT en fait. Plus rapide que la TNT. Oui. Bon bah c'était simple en fait. Dit-il après avoir galéré 30 ans. Bon ça saute. Attendez, ça saute tout ce machin là. Attends, méchant bonhomme. Ah, fin du niveau. Ah. Bah il était simple ce niveau, Imra. Franchement. Coucou tout le monde, toute mon enfance au jeu. Bonjour Galatil. Tout... Ouais, bah pareil, mais pour le coup, j'y avais pas retouché depuis mon enfance. Et je me souvenais pas qu'il était aussi difficile. Mais vraiment pas. Donc, bien joué, merci Eleanora. Bon, Pinstrip Potoroo. Ah, ça c'est du boss. Ça c'est du boss. Hop là. Ah. Son Tommy Gun n'est pas toujours fiable. D'accord. Eh ben dis donc, ils sont crus à Chicago ou... Ah. Franck du boss. Eh, je l'ai déjà fait cette blague, Imra. Preuve en est, le best of Mario Super Mario 3D World numéro. Regardez sur YouTube. Vous avez 900 vidéos à regarder sur le YouTube Ibastand, faites-vous plaisir. Donc, comment on le tue lui? Je comprends pas. Déjà, faut le tuer, faut le taper 6 fois. Je suis derrière le fauteuil. Comme ça. Pardon. C'est quoi cette balle perdue là? Il me reste que 4 vies? Comment ça il me reste que 4 vies? J'en avais 16. C'est passé quoi dans le temps là? Ah! Bon, j'ai tenté un truc, ça n'a pas fonctionné. On va tenter autre chose. Oh! Elles ont fondu à cause de la chaleur. Ah, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a un moyen de le speedrun ce truc en spammant le machin. Genre comme ça. Non, ça fonctionne pas. Il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce niveau? Faut lui sauter dessus? Faut lui tourbillonner dessus? Alors. Cache-toi! Mais pourquoi j'ai perdu? Oh là là. J'ai 2-2. Je n'ai pas de perspective dans ma tête. Offrez-moi des yeux. Je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, je pense. Hein. Oh là là. J'ai le masque goldé. Hein. Pousse-toi. Punaise.
Ils sont solides ces fauteuils. Naise! Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Faut que j'aille quand il se déplace en fait. Pas quand il reste, mais quand il se déplace. Comme ça! Voilà. Là on attend. Là on attend. Là. Là il va faire le con, l'imbécile. Là il s'enraye. Ah il s'est pas enrayé. Et moi qu'est-ce que je fais? Je fonce dans le tas. Pousse-toi, crash, 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 crash. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Cache-toi. Là, on attend. Il s'enraye. Il saute. Il s'enraye. Cache-toi, 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 cache-toi. On attend. Il s'enraye là-bas. Est-ce qu'il va revenir sur la gauche? Ça m'arrangerait. Non. J'ai 2 secondes. J'ai un laps de temps de 2 secondes. Il redescend. Maintenant. Ok, pas maintenant. Cache-toi. Bon, ne te cache pas du coup. Maintenant. Naise. Hop là. Fin de partie. Bon. Cache-toi, fauteuil. Fauteuil. Ok. Fauteuil. 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 On attend. Non, non, reste au fauteuil. Reste au fauteuil encore. Enrayage. Maintenant. On attend. Là, il va s'enrayer là-bas. Est-ce qu'il faudrait pas que je me mette à la table ? Je crois pas. Il va s'enrayer. Ah, j'ai vraiment un laps de temps hyper court. Hein. Maintenant. Ok, pas maintenant. Tu vas crever. Oh là là. Oh là là. Cache-toi. Là, il s'enraye en haut. Ok. Là, ça m'arrange plus déjà. Tac. Il s'enraye là. Et là, il va faire quoi? Maintenant. Yes! Ah. Ça va. C'était plus court que des boss précédents, quand même. Fallait juste comprendre le bon moment. Merci. Bon, ça nous fait combien de niveaux, là, déjà? On en a fait 1, 2, 3, 4, 5. On va attaquer le 6ème. C'est bien, on est presque à la moitié du monde. Et ça va devenir de pire en pire. Je sais pas pourquoi. Non ! Non !
gentil le jeu, mais le masque me sert à rien là. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de la tortue là. Par contre, il y a un truc derrière. Il y a vraiment un truc derrière. Il y a un truc derrière. Pourquoi il y a un truc derrière? Pourquoi il y a un truc derrière? Pourquoi les planches elles sont invisibles? Non! Voilà, j'ai reculé, fallait pas que je recule. Fin de partie. Si un jour je vais crash 2, je vais d'abord chercher une soluce, me spoil, voir s'il y a des niveaux de pont. S'il y a un niveau de pont, ne vous attendez pas à ce qu'il crash 2 un jour sur le stream. Merci le masque goldé et ça m'aide, mais quand tu tombes comme ça, bah, tu perds tout. Ce qu'il me faudrait, c'est qu'il y ait toutes les planches sur le pont. C'est tellement dégueulasse. Ok, checkpoint. Non!
sanglier m'a fait peur. Oui, je sais, ce sont des facochères, c'est pire. J'ai juste sauté quoi, j'ai pas utilisé le ça. Tout ça parce que elle m'a mis un coup et le masque. C'est dégueulasse. J'ai tenté de marcher sur la corde, ça a pas fonctionné. Je suis sûr qu'il y a un moyen de marcher sur cette corde. Voilà, elle s'est retournée, j'ai perdu le masque, allez c'est la mort. Tout ça parce qu'elle se retourne quoi. Elle est rapide, c'est une tortue ninja. Et voilà, allez. Il n'y a pas la glissade dans le 1. La glissade? Quelle glissade? Pour moi Crash remonte à très 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 loin et je le redécouvre en fait. On parle de glissade dans Mario 64, je vois parfaitement ce que c'est. Alors dans Crash, dans Rayman aussi, il y avait une super glissade dans Rayman. Non, sérieux. Tu peux glisser avec Crash en glissant, puis sautant, et après tu vas plus loin. Ah bon? Ah bon? Tu glisses, tu sautes. Peut-être qu'ils ont essayé de faire ce truc là, mais je l'ai complètement sur ça là. Peut-être. Je fais pas, j'ai pas fait attention. Non! Je sais pas si dans le 1 c'est disponible, pour le 2 et le 3 c'était le cas. C'est la touche rond pour les manettes PlayStation. Ah oui, non, non. Pas dans le 1 du coup. Non, pas dans le 1. La synchronisation, allez. Hein. On saute. Ça fonctionne. Tac. Là, il n'y en a pas besoin. Tac. On attend. Tortue. Tortue. Voilà. Tac. Tac. On saute et ça passe pas. Ah si, ça passe. Tortue. On attend. On attend.
on attend. On saute. On saute. Checkpoint. Allez. Pour l'instant, le record est au premier checkpoint. Il n'y a pas pu. Il n'y a pas d'autres trucs là. Tortue. Il y a le game over juste après, quoi. C'est une blague. Tac. Oh punaise. On saute. Et on meurt. Game over. Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau niveau de pont, quoi? Pourquoi? Pourquoi le jeu me fait du mal comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Je meurs. Un, deux. Le sanglier, punaise. Mais c'est pas grave, il y a le masque. Le masque qui ne me sert à rien. Parce qu'il est sur les tortues, il me piège. 2. 1. 2. Tortue. On saute sur la tortue. On saute sur la tortue. Tortue. Là, on s'en fout. Tortue. Maintenant. Ok. Maintenant. Maintenant. Oh! J'arrive juste au premier checkpoint, quoi. Je sais même pas combien de checkpoints il y a dans le niveau. Ça va prendre 30 ans. Pourquoi ils ont fichu ça? Et sérieusement, si ça... Je le dis haut et fort. Si je galère trop... Je vais chercher un cheat code, mon dieu là, oui je sais, shame on me, et je skip le niveau, mais vraiment. Je sais que c'est possible, là on est sur l'époque PlayStation 1, et quasiment tous les jeux à ce moment-là faisaient ça. Combien de fois je l'ai utilisé sur Rayman, premier du nom. Allez, checkpoint. Non ! Punaise ! Ah non, 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 mais Imra, là je peux rien faire. En fait, je suis obligé de sauter dans le vide. Je n'ai pas d'autre choix. À moins de trouver comment. Oh, attendez. Alors, c'était pas ce que je pensais. Si ça fonctionne. Attendez. On va perdre 5 vies là. Là donc on va perdre 5 vies d'un coup. Attendez. Après ça. Histoire d'être safe un petit peu quand même. Alors ça c'était pas prévu. Faut que je passe au moins le sanglier quoi. Pas grave. Oh!
y a personne qui le voit. Il y a personne qui le voit. Je vous promets, j'en tremble, j'ai les mains en sueur, encore plus que si je traversais le pont en legit. Veuillez souffrir en faisant le niveau comme tout le monde. Jamais! Le pire, c'est que je peux vraiment me foirer. Non! Je vais pas pouvoir faire la même chose. Là, ça va être handicapant. Ah, j'étais presque. Il fallait que je vise un petit peu plus à droite. Ok, ça peut le faire. Quelqu'un de chez Activision nous regarde, s'il vous plaît, n'appliquez pas un patch pendant le stream, laissez-moi terminer. Checkpoint. Et des vies. Yes. Punaise, le sanglier, j'espère qu'il va pas m'embêter. Pour de vrai. Pas prévu ça.
punaise, mais si j'avais su ça avant, on n'aurait pas passé 6 heures lors du stream dernier, samedi dernier, quoi. Ah. Punaise, j'ai paniqué. Je vais tomber. Je vais tomber. Ok. On va chercher des vies. Hein. Là, j'ai strictement besoin de vie. C'est ma dernière vie, sinon c'est game over. Non. Bon. Alors, elles sont comment, les tortues? Ça a l'air d'être les... ok. Non, c'était la fin du niveau. On tient quelque chose, n'empêche. Hein. On tient quelque chose. Par contre, là, du coup, à la fin, là, enfin, à la fin ici, il y a quelque chose derrière, mais quoi? Un masque. Il y a juste un fichu masque.
D'accord. Tout ça pour un masque et des wompats. Bah ça valait pas le coup, je suis déçu. Ok. Ça vaut vraiment le coup. Salut Wadios. Comment il va le beau Wadios? Il va bien, il se réveille, il va avoir un beau streamer, ça peut que aller. Bon réveil à toi du coup, réveille-toi tranquillement. Je promets pas du gameplay de folie, surtout que là j'ai trouvé un truc. Absolument pas legit. Mais ça fonctionne. Enfin des fois. Tu étais là samedi dernier et que tu te souviens d'un niveau similaire que j'en ai chié. J'ai passé 2 heures. Là, j'ai trouvé un truc sur ce niveau-là. Bon, presque. C'est le retour du game over. Hein. Le mec, il joue même plus. Ah ouais, non, mais ce niveau... Hop hop hop, non, j'allais glisser. On peut y arriver comme ça jusqu'à la fin, vraiment. Hein. Ça peut fonctionner.
Allez, checkpoint. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Yes. Je vais aller faire mon cappuccino, m'occuper des chats et peut-être tu seras arrivé au bout de mon retour. On va voir, on va voir. On tient le pari. C'est quoi là? C'est juste du passage? Ok, là de nouveau des tortues. Gameplay de folie. Aïe aïe aïe. Allez, on va chercher des vies. Je crois que j'ai le droit d'aller chercher des vies, vu qu'il y a eu un game over entre temps. Il me semble, hein. Allez, deux vies. Croisez les doigts maintenant.
Voilà. Easy le jeu. Easy. Ah, mais ça va devenir mon niveau préféré, je crois. C'est pas vrai. Ah là là. Bon. J'espère quand même qu'il n'y aura pas d'autres niveaux comme ça. Et on n'a pas passé 2 heures. On a passé quoi, 20 minutes? 20, 25 minutes? Oh, mais ce gameplay. Mais voilà quoi. T'as terminé le niveau, c'est un mirage. Non, ce n'est pas un mirage. J'ai terminé le niveau. On est à l'autre bout du pont. Avec encore des panneaux de bois sur ce niveau. Oh mon dieu, j'espère que c'est pas un autre. Slippery climb. Oh punaise, c'est quelque chose à escalader. Là, ça va être du gameplay horrible par contre, je pense. Ah là là. J'espère que vous avez clippé ce magnifique gameplay. Magnifique. Appelez-moi professeur. Pourquoi il y a un truc là? Ouais, et après. Bon, ça commence bien. Mais flûte. Ah génial, l'échange de plateforme. Ah j'adore ça. C'est pas vrai. Il y a une vie là, on l'a vu, mais je la prendrai pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ce vieux là? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Maintenant, et on attend. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un oiseau voleur. Je vais être obligé de sauter sur l'oiseau, c'est ça? Ok. Eh ben, on saute sur l'oiseau et ça fonctionne. Voilà. Ok. Tac. Je pourrais presque la prendre à la vie en vrai. Mais bon, je le sens pas donc. Tac. L'oiseau. Là, de nouveau oiseau plateforme qui tourne, ok. Oiseau plateforme qui tourne. Oui. Encore une vie. Ouais non mais cette vie là elle est encore pire que tout à l'heure. Alors on est sur oiseau fixe. Ok, oiseau et un truc fixe. Oiseau fixe. Ok c'est bon. Là on va être sur plateforme. Ok. Maintenant. Maintenant, et maintenant. Génial, je me retrouve avec deux vieux. Mais on peut les tuer ces machins? Casse-toi. Ah oui. Oiseau. Oh mon dieu, mais l'oiseau il fait rebondir énormément en fait. Ok. Il va falloir enchaîner les deux oiseaux là. À quel moment c'est le mieux? Maintenant. Oh mon dieu, j'y ai pas cru. Je savais même pas que c'est moi qui ai fait ça quoi. Et toujours pas de chaque point là. Oh. Maintenant.
Ascenseur. Oh, j'ai eu cru que c'était pas un ascenseur, j'ai eu peur quoi. Ok. Maintenant. Yes. Oh purée. Donnez-moi un checkpoint s'il vous plaît. Le niveau est très inquiétant. Alors là, c'est plateforme, oiseau, ascenseur. Plateforme, oiseau. Ah, oiseau, ascenseur. Ah, ascenseur, c'est bon. Fixe. Ah non, pas fixe. C'est pas encore fixe. Ascenseur. Fixe. Plateforme, escalier. Maintenant. Ça s'est joué à rien. Y'a pas un truc secret là, non. Alors là, c'est quoi? C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Plateforme, 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 et je sais pas ce qu'il y a au-dessus, il va falloir enchaîner dans l'inconnu là. Maintenant, 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 maintenant. Non, punaise! Et on recommence de là, hein, du début tout simplement. Donc, rebonjour Wadios, comment est ton cappuccino? T'as combien de chats? T'as dit que t'avais des chats. J'aime beaucoup les chats. Grâce au pari, grâce au pari, ça doit être ça, ouais. Et au gameplay de Jenny, comment j'ai skip le niveau, quoi. T'as deux chats, d'accord. J'aime beaucoup les chats. Maintenant. Tac, le vieux, on saute dessus. D'où il m'a touché, quoi. J'envisage un troisième pour l'automne. Ah oui, d'accord. Fin de partie. Trois choix, ça va, en vrai. Non, c'est... Ouais, trois choix, ça va. Cinq, ça commence à... Ça fait beaucoup. Mais, un... Pauvre bête, tout seul, il faut... la compagnie. Deux, oui. Trois, bah oui, en vrai, pourquoi pas. Quatre... Ouais, et non, 5 ça fait beaucoup. 5 ça fait beaucoup. C'est comme des gamins en fait, là, tout simplement. Maintenant. J'ai passé un poil. Hup, 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 hup. Tac, voilà. Non. Et là on attend. Oiseau plateforme. Oiseau plateforme. Oui non, j'ai glissé chef. 5 et 6 ans pour mes bébés. Le prochain je vise moins d'un an. Même moins de 6 mois si possible. Comme ça je refais toute l'éducation. Ah oui. Ah ça. Ça c'est clair. C'est le chat pour l'éduquer. C'est dès le départ. Hein. Vraiment dès le départ. Après c'est un peu compliqué. Même si ça peut s'assagir, un chat reste un chat. J'adore ces bestioles, vraiment, je suis plus chat que chien, même si j'adore les chiens quand même. Mais le chien, tu peux réussir à l'éduquer, même plus tard, c'est pas très très grave. Même si c'est mieux de le faire au début de sa vie, bien sûr. Alors le chat, il faut, c'est dès le départ. Sachant que les deux premiers, je les ai eu à 3 mois et 1 an d'écart entre eux. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est toi qui les a éduqués. Quoi. Ce sont bien tes bébés. Team chat. Ouais, team chat, ouais. Dans l'équipe Yves Ascendre, on est plus team chat que chien, même s'il y a une personne qui est team chien. Sinon, après, je réfléchis là comme ça. Nino, c'est chat. Ralga, par défaut, c'est chat aussi. Yekipon, c'est chat. Endo, c'est chat. Draken, c'est chien. Aspadin, je sais pas. Rimfire, c'est chat. Imagiro, je pense que c'est chat aussi. Oh, on est plus team chat. J'aime tous les animaux, mais je suis team chat quand même. Ouais. Ah, ouais, ouais. Clairement. J'ai toujours eu des bestiaux depuis que je suis gamin.
plus de chats que de chiens, même si j'en ai eu des chiens quand même. Mais à chaque fois, enfin bon, j'étais très proche des chiens aussi, bien entendu. Mais à chaque fois qu'il y avait un chat à la maison, la bête était tout le temps avec moi, collée à moi, dormait avec moi. Ça. En temps, dans ma chambre, c'était la pièce où c'était le plus au calme. Donc bon. Et ma minette actuelle, là, une petite panthère noire qui commence à faire son âge. Bah, elle est chez ma maman, parce que j'ai pas pu la garder. Parce que je l'avais récupérée, elle était très très jeune. Je l'ai eue pendant quelques temps. Puis après, malheureusement, j'ai dû déménager. Tac. Et là où je suis allé, c'était trop petit. Pas trop d'espace pour la minette. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la laisser à ma mère. Il y avait d'autres chats, il y avait déjà des chiens chez ma mère, ça fait de la compagnie en plus. Et du coup, je vais la voir. Je vais voir mon bébé assez régulièrement et je la vois demain, mon bébé. Je la vois demain, elle me manque. Elle est pas très très loin, elle est à quelques kilomètres. Mais voilà, mais encore ici actuelle, dans mon appartement d'aujourd'hui, pareil, même si je veux déménager, c'est trop petit pour elle, quoi. C'est beaucoup trop petit. Et je préfère qu'elle soit heureuse avec de l'espace, des camarades. Vraiment, et je sais qu'elle est bien traitée. Et quand j'arrive à la maison chez ma mère, par contre, il n'y a que moi qui existe pour elle. Il y a vraiment, pour ma minette, il n'y a que moi qui existe, il n'y a plus personne qui existe après elle. Elle le sait quand j'arrive, elle le sait. Elle sait qui est son papa. Ma soeur est née à un berger allemand poil long. Oh, c'est beau ça. Elle est super belle cette chienne. J'ai fait 50% de son éducation, mais ma soeur a été très nulle. Ah mince. Mais bon, elle a eu de la chance. La chienne est très très intelligente. Elle écoute. Ah, ça va, franchement, ça va. Punaise, j'avais pas vu le pic en haut. Oh. On a eu quelqu'un dans l'équipe. C'était Thoren. Thoren, il est team furet. Il est plus furet. Je suis pas fan des furets. Enfin, si, mais chez les autres, pas chez moi. Ça fait tellement de bruit, c'est très 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 vif. Et ça te niaque les doigts, quoi. C'est difficile. Un furet, c'est très très difficile à aider. Ça pue de ouf. Ouais, en plus, ouais. Après, j'ai eu quoi comme animaux? J'ai déjà eu hamster et cochon d'Inde aussi. J'en étais moins fan, même si j'en prenais grand soin, je les aimais aussi, bien sûr, mais j'étais quand même moins fan. T'as pas la même proximité avec un ce genre d'animaux qu'avec un chien ou un chat, je trouve. Et le vieux, on se calme. Tac. J'aimerais bien arriver au checkpoint en fait, parce que pour le moment, j'y suis pas arrivé. Trop tôt. Hop là. Mon frère avait une furette, je m'en suis occupé un mois, elle était adorable. Mes chats s'entendaient bien avec... Bordel, des chats qui s'entendent bien avec un furet, sérieux? Bravo. Après, je laisse pas le choix à mes chats, c'est copain ou puni. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu as déjà bossé avec des animaux ou adios du coup? Parce que pour avoir ce feeling-là, soit c'est naturel, et tant mieux, et franchement, chapeau. Mais sinon... Il y a une formation, une éducation ou même quelque chose. Non, c'est naturel. Bravo, franchement, bravo. Ouh. Et t'as déjà éduqué un loup-garou? Au cas où, je demande. Hein. Niveau, il est affreux. Allez, la plateforme. Quand je vois les animaux des autres, je peux être fier de moi. Oui. Ah bah ouais, clairement. Allez. Yes, c'est bon. Si c'est toi le loup-garou, alors go test.
Peut-être que je dirais pas non, attention. En vrai. Hop là. On se calme. Ça va aller. En plus, je sais que t'as très beaux yeux, Wedgeless. Je me suis baladé sur ton Discord. C'est peut-être moi le loup-garou vu mes poils. Ça, je sais pas encore. Et on va arriver sur une partie du niveau, ça va être encore... ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Mais ce passage-là, il est chiant aussi. Il sert à ça, le Discord. T'as vu. J'ai vu passer un chat, j'ai pas fait gaffe, il y avait le deuxième, du coup j'y rejetterai un œil. Yes, Eden. Ok, là c'est bon. Oiseau. Ok. Checkpoint. Ouais. C'est bon. Maintenant. Non, pas maintenant. Ouf, punaise, si, mais de justesse. Oh là là. Maintenant. Je suis pas totalement synchro. Hein. C'est passé, mais c'était pas totalement synchro. Alors là, c'est... non, c'est quoi? C'est plateforme, oiseau, ascenseur. Plateforme. Plateforme. Oiseau, ascenseur. Fixe. On attend. Maintenant. Maintenant. Et là, faut enchaîner. C'est ici que c'est la grosse erreur. Quand tu dis maintenant, tu sautes 2 secondes après, pas synchro avec toi-même. Il y a un léger décalage. C'est vrai, je le précise pas à chaque fois. Entre ce que moi je vois à l'écran, vraiment à l'écran de jeu, et ce que vous voyez à l'écran de jeu, il y a 0,7, 0,8 secondes de décalage. Donc en fait, quand je dis maintenant moi, vous le voyez un tout petit peu en décalage. Je sais pas pourquoi j'ai le décalage sur la console et la carte d'acquisition. Sur l'ancienne carte d'acquisition, j'avais pas le décalage, mais je ne pouvais pas jouer à certains jeux niveau l'image sautée, c'était horrible. Du coup, avec celle-là, là, avec la Elgato, c'est beaucoup mieux, mais j'ai un décalage. Donc, en effet, c'est vrai que je pense pas à faire le décalage moi dans ma tête pour synchroniser après avec l'image. Je le faisais pendant un temps et ça m'est passé par-dessus. Mais la cam et le stream sont censés être en même temps. La cam est synchro avec ce que je dis là maintenant. Mais disons qu'entre la caméra là, elle est où? Là. Et ce qu'il y a autour, bah, il y a le décalage. Parce que la cam dépend pas de la carte d'acquisition. Par exemple, on va faire le test. Je vais sauter, je vais compter. Normalement, il va y avoir le décalage. Alors je vais compter là. Ça fait 0. 1, non, c'est pas ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a un décalage de 1 saut. À chaque fois, il y a un décalage de 1 saut. T'es pas sur PC? Non, je suis pas sur PC. Quand je suis dans cette position-là, et que vous voyez ce qu'il y a derrière moi, je suis sur la console. Donc, la console-là, le PC qui est ici-là. Et quand je suis en position PC... Quand je suis en position PC, que je suis sur le code de la route ou sur Stardew Valley ou sur d'autres choses, je suis dans cette position-là et la caméra, elle est là. Et là, derrière, il y a le fond que je tire au-dessus de moi qui est ici. Hop. Là. Vous voyez un petit bout de corde.
jour ou l'autre, ça va me tomber dessus, ce truc. Voilà. Non, non, je suis sur la console. En fait, même s'il y a un léger décalage, je préfère stream sur la console pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'en mode console, je suis plus en mode jeu que sur le PC où je suis plus en mode travail. Et la deuxième, c'est que mon PC étant d'un certain âge, je peux pas faire ce que je veux dessus. Du coup, s'il y a que le stream, enfin le logiciel de stream d'allumé, et pas d'application derrière, ça va, le stream n'aura pas trop de problèmes. Mais comme sur le code de la route, où vraiment tout était lancé depuis sur le PC, on voyait sur le stream qu'il y a certains moments où ça galérait un peu. Mais sinon, en vrai, ça va. Et un jour, il y aura un vrai PC de compétition. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Bon, on le continue ce niveau. Alors attendez, il faut les enchaîner là. Plateforme, plateforme, plateforme. Ok, tac. Tac, tac, tac. Non, j'ai... Ah bon, ça va, je repars de l'ascenseur. Ouf, je me suis rattrapé ici, ça va. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va la moto? Non mais dis donc, on est dans une petite rue, les motos là. Oh. Pas maintenant, prochaine. Maintenant. Punaise, j'ai pas sauté. Je suis choqué et déçu, un vrai geek sur surprise. Mais c'est pas vrai ça, un vrai geek c'est sur n'importe quelle plateforme. Hein. Quand même. Non, non. Puis après, je suis très très fan Nintendo. Ça se voit absolument pas derrière moi. On voit les jeux derrière. Et bientôt, on verra ça un peu mieux parce qu'en vrai, c'est très mal aménagé. Et j'ai mis beaucoup de choses en vente. Et il y a des choses qui vont dégager. Et il va y avoir des étagères dans vraiment pas longtemps. En plus, derrière, je vais mettre des étagères. Je vais pouvoir étaler un peu plus les jeux parce que là ils sont empilés n'importe comment. Je vais faire un beau décor me fait maison. Et qui aura coûté zéro à l'association, je tiens à le préciser. Parce que mon chez moi c'est mon chez moi. C'est pas à l'asso de gérer ça moi. Même si le micro là c'est à l'asso bien sûr. Parce que je m'en sers au niveau professionnel. Mais après le décor, non non, c'est moi qui paye, c'est pas à l'association de payer ça, quand même. Je défends une association, je défends des valeurs, c'est pas pour la plomber quoi. Au contraire. Hop là. Ah c'est bon. Après il y a certains jeux PC, pour revenir au truc, que j'aimerais beaucoup faire, mais je peux pas les faire parce que je ne peux pas faire tourner le. Je peux pas les faire tourner quoi. Actuellement, World of Warcraft, parce que je suis quand même un joueur WoW à l'origine, j'ai vraiment du mal à le faire tourner. Mais je force mon PC à le faire tourner parce que j'aime le jeu, j'aime l'univers. Mais il y a vraiment, vraiment du mal. Des fois, en plein déplacement de monture, j'ai plus aucune texture sur le jeu. Je vois que le squelette du jeu, en fait. Du coup, c'est très rigolo. On sait très où va les demi. Non, je vous rassure le chat. Non, non. En interne, des fois, ça me charrie en mode. Il va partir avec la banque. Mais non, non. Je pense que je mets beaucoup plus dans l'association à l'année que je n'en dépense. Parce que, enfin, oui, bien sûr, quand je suis en déplacement. Et que c'est vraiment des trucs à la dernière minute, bah, c'est moi qui l'avance et oui, bien sûr, derrière, je peux me rembourser derrière certaines choses. Certaines choses du train, une fois l'avion, mais c'était vraiment un déplacement très professionnel. Et voilà. Quoi. Et encore depuis quasiment deux ans, j'ai rien remboursé parce que crise et compagnie. J'ai tout pris en charge et au contraire, j'ai renfloué comme j'ai pu moi de mon côté l'association. Et ça suffit pas. Le pire, c'est que ça suffit pas. Je ne roule pas sur l'or.
Mon revenu, je ne m'en cache pas, je l'assume complètement, mon revenu c'est le RSA. Je l'assume complètement, j'ai choisi cette vie là. J'ai choisi de ne plus faire de boulot insupportable, de boulot alimentaire, de tout ce que vous voulez. J'ai choisi de ne plus le faire parce que c'est pas humain, c'est clairement pas humain. J'ai longtemps été en burn-out et en dépression suite à ça. Et maintenant que j'ai mis du sens dans ma vie, que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, c'est du social, c'est de l'humain avec une passion derrière, que j'arrive à refaire sourire des gens à travers des ateliers, leur redonner confiance. Ben, moi, c'est. Voilà. Alors, bien sûr, j'aimerais en vivre un jour, mais aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai choisi cette vie-là, je l'assume complètement, mais je poursuis mes aventures comme ça, et tant mieux. Pôle emploi est parfaitement au courant, ils me soutiennent dans cette démarche-là, ils me font pas chier. Je m'actualise tous les mois, mais au moins ils me font pas chier. Et au contraire, ça m'arrive de faire des ateliers à Pôle emploi. C'est paradoxal, mais ça... Bon. Tant que Pôle emploi m'embête pas, c'est le principal. Je suis pas en interne, moi... Ce que je dis est vrai. Non, ce que tu dis est faux. Non, je prends pas l'argent. Je me rembourse des frais que j'avance. C'est pas pareil. Certains frais, pas tous. Certains, je les avance, mais je me les rembourse pas. Parce que j'ai pas envie. Non, sur ça, je mets un point d'honneur à ce que tout soit hyper clean. Vraiment. Absolument tout. Je tiens à mon asso, je tiens au projet, je tiens aux valeurs. Il est hors de question que ça coule. Donc tout est hyper clean. Je fais un point régulièrement à la préfecture. J'y aille fin juillet d'ailleurs. Je fais un point régulièrement à la préfecture, je fais un point régulièrement à la banque de l'association. Je fais un point régulièrement sur plein de choses. Mais non, c'est clean. Ça, clairement, personne pourra le reprocher. Absolument personne. Tac. Donc non, l'argent de la cagnotte ira à 97% dans les caisses de l'association. Parce qu'il y a les 3% restants. Bah, ce sont les frais de Hokepal et donc de Ulule. Il y a quand même des frais derrière. Il n'y a pas, malheureusement, on n'a pas pu négocier 100%. On a réussi à négocier à 3%. Mais il y a 3% qui vont quand même chez Ulule. Bon, ce ne sera pas énorme, hein, mais il y a quand même 3% qui partent. Et après, tout le reste, absolument tout le reste, permettra à l'association de tenir un petit peu. Et ce qui est arrivé directement en argent sur Twitch, pour le peu qui est arrivé, Twitch se prend 50 à 60%. Donc sur tous les subs, sur les bits, etc., faut pas, quand vous donnez 1€ en bits, ne vous dites pas qu'il y a 1€ qui va sur la chaîne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pareil sur les subs. On les a laissés parce que ça fait des interactions. Mais en vrai, je suis pas fan de ce système. Je préfère les plateformes comme Ulule ou comme Eloasso. Eloasso qui est une très très bonne plateforme, qui prend 0%, mais malheureusement, c'est pas assez, y a pas assez de visibilité derrière. Et pourtant, c'est une excellente plateforme. Bon, je galérais sur ce niveau plus que sur le pont. Hein. Punaise! Hop là. Ah, oh, dommage. Tu peux pas gruger. Non, je peux pas gruger là, mais pas du tout. Bon, game over.
après, pour revenir au fonctionnement de l'assaut, parce que ça me dérange absolument pas d'en parler. Bon, y a des choses que je vais pas vous dire, bien sûr, ça regarde uniquement l'équipe interne. Mais on a l'assemblée générale juste après la fin de la campagne. Donc on fera un bilan sur l'année là. Ce qui a fonctionné, pas grand chose. Ce qui n'a pas fonctionné, donc beaucoup de choses. Et on va commencer à anticiper l'année prochaine. Ça n'aura aucune influence sur le stream. Bon, il y aura moins de stream, hein, bien sûr, la saison prochaine, parce que les ateliers vont reprendre, du moins. Enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Les programmes qu'on a envie de faire en stream hop là, et en podcast directement seront là. C'est ça, ça il n'y aura aucun problème. Par contre, les ateliers, il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'on ne va pas garder. On va les adapter. La crise a rabattu toutes les cartes, tout ce qu'on pouvait faire en atelier en fait. Et les gens et les structures s'en rendent pas forcément compte. Mais aujourd'hui, on ne peut plus travailler en socio-pro comme on le faisait avant la crise. Parce que le moral des gens a changé, la mentalité des gens a changé sur leurs priorités. Et du coup, il faut adapter les ateliers à tout ça. Donc déjà, quand on était dans le positivisme avant, on va l'être encore plus. Et on va vraiment valoriser à fond les gens. Et j'espère qu'on fera de jolies choses. Un de ces quatre en stream, je proposerai peut-être ce qu'on peut faire en atelier. En tout cas, certaines choses qu'on peut faire en atelier. Alors, tout ne pourra pas être fait en stream, c'est absolument pas possible. Le format ne s'y prête pas. Mais il y a des choses qu'on peut réadapter. Donc, peut-être que ça peut vous intéresser et peut-être même vous faire du bien. Sans déconner. Vraiment sans déconner. J'ai des outils derrière moi, là. J'essaierai de les adapter en stream et je pense que ça peut être bien sympa. Alors c'est toujours dans la bienveillance, bien sûr. Dans le ludisme. C'est toujours dans le ludisme. Tout faire passer par le jeu pour faire croire que c'est un jeu alors qu'en fait, bah, c'est pas qu'un jeu. Pas du tout. Il y a énormément de choses à tirer de tout ça. Et en mettre en avant de son côté. Non, j'y arrive pas. Je suis parti trop. Maintenant. Oiseau, ascenseur. Prochaine, top. Là, faut les enchaîner. Et là, c'est la galère, là. Maintenant. Punaise. J'étais pas synchro. Sérieusement, il est horrible, ce niveau, là. Non, j'ai dit maintenant, c'était pas maintenant. C'est passé à rien. T'es pas synchro encore, hein. Bon. J'aimerais bien avancer. Voilà, là on était bon. Hop, 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 hop. Bon, j'ai été touché.
Ok. Ascenseur. Escalier. Il y a le checkpoint juste au-dessus. Oh, super. Faut pas que je me plante. Ok. Il me reste 2 vies. On y croit. Panique pas. Non, je vais pas paniquer. Ok, ça tourne comme ça. Attendez. Ça tourne en 8? Non. Comment ça tourne? Quoi? Attendez, comment ça tourne? Ça tourne en losange. Non, ça tourne en poire. Ok, ça tourne en poire. Et là? Hein? Quoi? C'est à quel moment que je saute, moi? Pas comme ça. C'était pas du tout comme ça. Ça tourne en losange. Deux rotations qui se croisent. Ok. Ascenseur. Ce jeu devient n'importe quoi. Il y a un truc sur le côté extérieur ou quoi? Pourquoi les briques elles sont comme ça? Non, ils ont pas fait ça, je pense pas. Alors attendez. Escalier, plateforme. Il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Escalier, plateforme. Ok, et là. Il y a quand même des escaliers. Escalier. On attend. Escalier. Plateforme. Ok, on attend. Oiseau. Oiseau, et après quelque chose de fixe. Ok. Faut pas que je me trompe là. Là, faut pas que je me trompe. Hein. Ça tourne un peu pareil. Ok. Ok. Par contre, c'est pas un checkpoint. Là, il va falloir enchaîner. Enchaîner dans l'inconnu. Oh là là. J'aime pas forcément m'enchaîner à des inconnus. Au secours. Attendez. Il y a une légère synchronisation, je trouve, entre la plateforme et l'oiseau. On va voir. Plateforme. Oiseau. Tac. Toujours pas de checkpoint? Là, il y a les vieux. Oh, bordel, ça va être un enchaînement de vieux, quoi. C'est un EHPAD. Non! Ça peut le faire.
pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite. Oups. Oups, oups, oups. J'ai pas besoin de sauter si loin en fait. Genre comme ça. Ok, pas comme ça. Il y a déjà du mieux, mais c'est pas bon. Punaise. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Excusez-moi, j'achèterai du skill à un moment donné. Hein. C'est bientôt les soldes. Je pense que je vais en acheter beaucoup. Du skill, du style aussi en fait. Oui, de tant qu'à faire, du style aussi au passage. Mais du skill, de la dextérité, des réflexes. Enfin bref, tout le côté S technique que je n'ai plus. Ce serait bien qu'il me reste. Ouais. Il me reste pas que de la littérature. Allez là! Discord. Oui, tu peux rejoindre Discord si ça te fait plaisir. Sur Discord, qu'est-ce qu'on y trouve? Des bêtises, des blagues, des bons plans. Chaque fois qu'il y a un jeu gratuit, à un moment donné, on dit « Eh, regardez, récupérez ce jeu gratuit !» Mais pas seulement, des fois, on dit des petites sorties sympas, des petites sorties gratuites aussi. N'importe où en France, d'ailleurs. On parle cinéma, on parle séries, jeux vidéo, bien entendu. On parle actualité, on débat. On regarde tous les ans l'Eurovision ensemble. On a mis les sujets de philo du bac qui sont tombés cette semaine. On en a vaguement discuté. On regarde aussi Miss France ensemble. Enfin bon bref, des choses comme ça. J'ai surtout un clip à faire. Ah merde. Tu le mets dans l'auberge. L'auberge c'est un peu le fourre-tout. Il y a un clip à faire. J'ai peur du coup. D'ailleurs, je suis en train de jouer à un jeu gratuit repéré sur le Discord. Ah, Surviving Mars, un truc comme ça. J'ai vu que quand je me suis couché, t'étais en train de jouer dessus. Et pourtant, je me suis couché tard. Ce qui fait que j'ai commencé le stream tard. Yep, et oui. On est pas mal actifs sur Discord en vrai, que ce soit à l'écrit. Bon, beaucoup à l'écrit. Bon, il y a toutes les annonces, bien sûr. Mais on est très souvent à l'oral aussi sur Discord, juste pour papoter entre nous, mais on se met dans les canaux publics pour les gens qui veulent discuter avec nous sans aucun problème. De tout et de rien, dans le respect, la joie et la bonne humeur. Et si à un moment donné, il y a des gens qui ont des petits soucis techniques ou qui ont envie de papoter pour remonter le moral, ben on est là. On est là pour ça aussi. J'y arrive plus, mais... Ah, y a quelqu'un qui veut prendre la manette et essayer à ma place, et moi je regarde. Tu vois, il me reste 2 try. Tac. Voilà, c'est mis. Bordel, j'ai peur, qu'est-ce que t'as mis? En fait, quand je suis parti de l'audio Discord hier, je l'ai juste lancé 5 minutes et pouf, il faisait jour, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, mais ça, ce sont des ellipses temporelles. Hein. Non, merci, je suis plus... Encore moins ce style de jeu.
Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas des dinosaures. Hein. Ou alors, je suis pas aussi. Il y a des dinosaures dans Crash, je suis pas au courant. Qu'est-ce que t'as mis du coup? Normalement, je n'ouvre pas Discord en stream, mais voyons. Ah oui, d'accord, l'iPad. Ok. Bah oui, mais en même temps. Ah là là. J'ai peur de ces escaliers. Maintenant. Et plateforme. Oh non! Allez. Il va falloir tout recommencer après. Hein. Oh punaise, c'est aussi simple que ça. Oh là là, pourquoi je m'embête à une synchronisation, il n'y avait pas besoin. Bah attends. Alors là par contre. Maintenant. Plateforme. Oiseau. Fixe. Plateforme. Oiseau, plateforme. Je suis pas allé assez à droite. Je suis pas allé assez à droite. De partie. Et j'ai honte de dire ça, mon dieu, non. Demain, il y a les élections, oubliez pas. On n'y pense pas assez, mais les élections locales sont les plus importantes pour de vrai. N'oubliez pas d'aller voter demain. Même si vous votez blanc, c'est pas grave, mais au moins allez voter. Au contraire, le vote blanc, il faut le faire reconnaître et c'est... Bon bref, je vais pas parler politique, normalement le 24 heures avant une élection, on n'a pas le droit de débattre. On va pas épiloguer sur le sujet du coup. Le CSA il va tomber dessus. Lol. Allez! Punaise. Ok, ça passe. Oiseau. Plateforme. Oiseau. Plateforme. Oiseau fixe. Ça s'est joué à pas grand chose, mais ça passe. Il est horrible à ce niveau. Horrible. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? Trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure et je suis arrivé à un checkpoint. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Ok. Mais vu le qu'il me reste... Bah ouais, il va y avoir un game over de toute façon. Genre ici. Ok, pas ici. Genre ici. Ok. Oiseau ! Checkpoint ! Donnez-moi des vies s'il vous plaît. Là, il va falloir enchaîner. Oiseau. Oiseau. Game over. C'est chiant, hein. Oh, punaise. En train de me tâter à chercher les cheat codes. Pour de vrai. C'est pas legit. Mais je fais un jeu pour le jeu, l'histoire, etc. Je fais pas le jeu pour faire ça forcément enchaîner les game over. Sinon j'aurais joué à Dark Souls. Mais vu que je ne joue pas à Dark Souls, je regarde Imra jouer à Dark Souls. C'est plus drôle. Le vieux. Yes. Go lancer Dark Souls. Non, non. Je vais pas lancer Dark Souls. Mais sans rire. Hop là, je me mets safe. Sans rire. Je le vois pas, mais je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai sur la Switch. C'est bon, il y a marqué, je le vois. Il y a marqué Dark Souls Remastered. Donc je l'ai bien, je le possède. Mais non, je vais pas faire du Dark Souls. Je l'ai juste pour la collection. Non ! Oh punaise. Le rattrapage. Maintenant. Oiseau, plateforme. Oiseau, plateforme. Oiseau, fixe. Plateforme, 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 fixe. Succession de vieux. Vieux. Oiseau. Attention. Oiseau. Checkpoint. Double oiseau. 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 Oui, ça passe. Escalier. On attend. On attend. Maintenant. Un petit peu trop ambitieux. On attend. C'était pas maintenant du tout. On attend maintenant. On attend, on redescend. Il va revenir au bon au dernier moment quoi. Oh c'est quoi cette C'est quoi cette synchronisation? Maintenant. Oh là là, sans hésiter. Non, vite. Non. L'ascenseur. Maintenant. Ok, c'est bon. Il fallait que j'attende un tour de plus sur l'ascenseur en fait. Alors là c'est quoi? C'est les. Ok, c'est. Plateforme, oiseau, ascenseur. Plateforme. Attends. Plateforme. Oiseau. Et non pas oiseau. Escalier. Ok, on retourne. Oh là là, la panique. Panique, panique, panique. Pas de panique à bord. Je connais pas la suite de la chanson. Tout ce que je sais, c'est que c'est les rats. C'est les rats, c'est les rats. Voilà. Non, ça va pas. Oiseau. Oui, non, 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 mais qu'est-ce que je fais? Non, j'ai tué l'oiseau. Je me retrouve bloqué.
Prions pour que l'oiseau revienne. Escalier. Escalier. Ascenseur. Et pas d'ascenseur non plus. C'est nul. Ça va être la mort. Il n'y a pas la synchro qu'il me faut là. Ok, maintenant. Maintenant! Je pense que c'est le mieux, oui, de repartir du checkpoint en fait. Histoire de retrouver une synchro. Oiseau. Oiseau. Qu'est-ce? Escalier. J'ai perdu un truc parce que j'ai été trop tôt. Escalier. Voilà, là on est bon. Yes. On attend. Tac. Oiseau. Ascenseur. Fixe. On attend. Maintenant. Ok, la caisse. Le checkpoint, ce qui va me servir à... Ah si, ça va, j'ai 3 vies. Enfin, ça va. Je garantis pas de faire le niveau avec 3 vies, mais... Ok. Un checkpoint, je prends. Y'a rien de caché, non? Ok. Ascenseur. Et là, on repart sur le tourniquet, comme Mickey. Mon tourniquet. Ceux qui ont la rêve. Allez. Escalier. Petit escalier. Poison. Lui ça va, il me dérange pas trop. Là c'est chiant là. Maintenant. Assez, hop. Pourquoi j'ai fait un coup sur la gauche ? Ok. Oiseau fixe. Oiseau plateforme. Coup sur la gauche. Pourquoi? Ah, je le sais pourtant. Je le sais. Une vie. Une petite vie. Ah ok, j'ai même pas sauté. Je suis tombé. On atteint. Petit escalier. On saute. Poison. On saute. Pour niquer. On attend. Maintenant. Oiseau. Le truc est
tourne. Oiseau. Oui. J'ai failli tomber. Hein. On va attendre un petit tour là, que l'oiseau redescende. Voilà. Oiseau. Les caisses. Si j'y arrive. Et là, ça va être galère. Allez! J'y étais, hein. J'y étais. Comme si Crash ne pouvait pas se rattraper d'un ou deux bras sur le truc. C'est dégueulasse. J'ai prévu autre chose et pour samedi prochain, j'ai pas envie de nouveau de retourner sur Crash Bandicoot. Hein. J'ai prévu autre chose. Tac, okay. Ça veut dire qu'il faut terminer le jeu sur cette session. Oui. Bah après, c'est, enfin, il y a que 3 mondes. C'est censé être le dernier monde. Je suis déjà au niveau 6 ou 7. Je suis donc à la moitié du monde. Mais enfin, bon, là, ça fait longtemps que je suis sur ce niveau. Donc oui, il faut terminer le jeu sur cette session. Sachant qu'à la base, à l'origine, c'était terminer le jeu samedi dernier. Ce qui n'a pas été le cas. Punaise. J'aurais dû sauter, je l'avais. J'étais bon. Mais oui, il faut terminer le jeu maintenant. Sinon, je trouverai un créneau dans la semaine, mais ça m'arrange pas. Mais pas du tout. Bon courage. Merci. Pourquoi je bloque sur cet escalier? Il est nul, il sert à rien. Et en plus, le pire, c'est que il faut terminer le jeu sur cette session. Mais surtout, il faut terminer le jeu à 20h au plus tard. Vraiment. Parce qu'après, faut que je mange. Je bosse sur 2-3 trucs. Et pour soutenir Nostralix, il faut regarder Olivier Mine sur France 2 ce soir. Parce que c'est Fort Boyard. Ambitieux ça. Ok. Oiseau, ok, plateforme.
ça aussi, c'était un petit peu ambitieux. Hein. Okay. Est-ce qu'on peut juste me dire par rapport au prochain checkpoint? Je sais qu'on peut l'atteindre. Mais est-ce que le niveau, il est loin après? Enfin, la fin du niveau est loin parce qu'en vrai, si je suis même pas à la moitié du niveau, ça va être galère, quoi. Voilà, et là, j'ai fait une connerie. Ah non, ça va, l'oiseau revient. Bon, je crois pas que ce soit méga loin. D'accord. Espérons. Non. Fin de partie. Pensez à vous hydrater avec cette chaleur. Exactement, c'est un très 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 bon conseil. Hydratez-vous, donc boire de l'eau. Mais hydratez-vous le corps aussi, il ne faut pas oublier de s'hydrater le corps. Donc si vous avez un petit brumisateur, faites-vous plaisir. Sinon pensez à vous passer un petit gant d'eau froide ou quelque chose comme ça. Ou mouillez-vous régulièrement, c'est hyper important sans déconner, boire ne suffit pas. Ou alors, faites un stream jacuzzi. Au moins, vous vous hydratez. Ça aussi, quoi. Quelle grosse blague. Enfin bon. Bonne idée, je change mon planning. Allez, Imra, allez, c'est parti. La piscine à balles. Oula! Ok. Checkpoint. Ça va, ça passe mieux que tout à l'heure sur ce passage là, en tout cas. Ascenseur. Plateforme. Plateforme. Non, pas plateforme, qu'est-ce que j'ai fait pas maintenant, non. Maintenant. Voilà. Allez, mais je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure là. Ok, ça passait beaucoup moins. Le passage d'avant, ça allait là, ça passait pas du tout. Pouf. Bon, là, c'est l'enchaînement.
ascenseur. Escalier fixe. Checkpoint. Non, il faut attendre. Oui. Et non. Pourquoi je n'ai pas de nouveau la synchronisation maintenant? Non, c'est sur l'autre plateforme que je dois être en fait, pas celle-là. On va faire ça, voilà, et là on fait ça, voilà, et là ça passe. Ascenseur, premier étage. Chaussures et chaussettes. Troisième étage. Musique classique. Ah oui. Voilà. Et là, j'ai pas fait le petit coup à gauche. On va attendre un tour. Comme ça, on va sauter sur l'oiseau. Oiseau, plateforme fixe. Plateforme qui tourne. On attend. Oiseau, plateforme qui tourne. Oh là là, c'est bon, la rattrapage. Comme le bac. On s'en souvient. Non, on attend. Je le sens pas. Il se gèle, hein, crash. Hein. On n'est pas dans le même climat, là. Oiseau, ok. Et là, c'est plus compliqué parce que ça commence à dater le dernier passage ici. Alors, plateforme comme ça plus oiseau. Plateforme comme ça, oiseau. Ok. Génial, une pomme, je suis content. Une mangue, un wumpat. Oh là là, ça va, commencez pas. Allez, je vais tuer les vieux là. Pardon le vieux, je passe. Comment? Alors là, il y a deux oiseaux. Oiseau, oiseau. Oh. Oh. On va chercher des vies. On va chercher des vies. Allez. On va chercher des vies. Ah, on va peut-être pas chercher des vies en fait. Sauter. Alors. Oui, mais non. On recommence. Sauter. Oh punaise. Faut tracer en fait. Faut le faire d'une traite. Ok. Ah presque. Presque une caisse frais quoi, mais presque quand même. Ok, il y a de ça. Il y a de l'idée. Mais par contre, j'ai vu un mur de caisse en métal. Ouais. Faut aller passer au-dessus. Ah, c'est l'enchaînement en passant au-dessus. D'accord. Ouais.
Est-ce que les vis sont nécessaires? On va dire que oui, hein, mais... Il y a 19 caisses. Les caisses de TNT, je pense que ça fait partie des caisses. Saute pas du coup. Bon, on va s'arrêter là sur ce bonus, ça j'y arrive pas. On va pas insister. On poursuit la route. Oiseau, truc qui tourne, ok. Oiseau, truc qui tourne, mais non. Le checkpoint, il est loin. Ah non, il est là. Oiseau. D'accord. Ne pas se planter. Truc qui tourne. Dernière vie. Bon. C'est pas très legit. Pas du tout. Mais, au grand mot, les grands remèdes. Mais vraiment. On va voir. J'en ai parlé tout à l'heure, on va voir. On va pas faire ça, non. Oh bordel. Je sais pas quel niveau j'en suis moi en fait. Sinon, je fais ça. Allez, on va faire ça. Alors, oui, j'assume complètement ce que je vais faire. C'est un cheat code pour avoir un peu plus de facilité. Mais voilà, je ne tiens pas à souffrir. Alors, attendez. C'est les touches PlayStation, donc on va adapter ça à la Nintendo. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Tac, 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 1, 2, 3, 4. On peut peut-être faire ça sur le menu du jeu, non? Ou alors ils ont enlevé le cheat. Oh, s'il faut, ils ont enlevé le truc pour... Oh, c'est possible. Alors, on refait. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Et oui, mais voilà, j'ai lancé un niveau. J'ai lancé un niveau, moi. Bon, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne pas? C'est le jeu, il m'a dit non, tu souffriras, tu iras jusqu'au bout. Tu es passé sur la corde, sur le pont, tu n'aurais pas dû. Donc tu vas souffrir. Pourquoi ça fonctionne pas en vrai? Pourquoi ça fonctionne pas?
Bah, c'est ça le code. Attendez. Sur la PlayStation, triangle c'est ça. Carré c'est ça. Rond c'est ça. Croix c'est ça. Ils ont versé des touches. Oh punaise. Si je fais quitter, je quitte la sauvegarde, donc c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je suis condamné. Sur Spyro, je sais que c'est actif. Je sais que c'est possible. C'est pas là non plus. Triangle égale Y. Carré égale... Oh punaise, ils ont inversé. Triangle c'est Y, pour moi Y c'était carré. Triangle égale Y, carré égale X. Rond, croix. Ça voudrait dire qu'il faut tenir la manette comme ça. Donc triangle, carré, rond, croix. Triangle. Oh punaise, il y a tout qui est inversé. Donc ça ferait... Attends. Carré. Carré, c'est ça. Rond, c'est ça. Carré, il est là. Carré, il est là. Ok, donc ça fait... 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Chargement, c'est ça? Et ouais, chargement. On refait. Ça fait 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Je me suis planté. Je me suis planté. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 3, 4. 1, tac, tac, tac. 1, 2, 3, tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4. C'est pas ça. Ça fonctionne pas. Oh punaise. Condamné. C'est la condamnation ça. Eh ouais. T'as voulu tricher? Eh ben tu peux pas. Et du coup je dois finir le jeu. Bon, il y a eu une avancée tout à l'heure quand même. Mais bon. Mais c'est ultra difficile, hein, vraiment. C'est... J'ai explosé, et de loin, la moyenne de durée de vie du jeu indiquée par Long To Beat, quand même. Je l'ai explosé, le truc. À la base, je me fie à ça pour estimer le nombre de streams, le nombre d'heures de stream sur un jeu. Sachant que à chaque fois que je l'estime, je rajoute des heures volontairement parce que je sais que je suis pas très très bon dans le video gaming. Et au final, ça suffit pas quoi. Donc ça ne fonctionne pas.
Non, les oiseaux. Oh punaise, j'ai réussi. Je croyais que je m'étais complètement foiré. Ce passage, ça va mieux, comme tout à l'heure. C'est après que ça se complique. Mais pourquoi j'arrive plus à sauter maintenant? Je me suis rajouté un mur invisible, c'est ça? Mais cette synchro nulle. Il n'y avait pas de synchro quoi. Pardon. J'étais assez haut là. Comme dirait Nicole Croisi, tout à fait. De partie. Ça m'embête vraiment que le code n'ait pas fonctionné parce qu'à la limite, il me donne pas 99 vies, ok d'accord, mais qui me donne au moins l'accès aux autres niveaux quoi. Parce que j'aimerais voir par curiosité les autres niveaux. Là, ça fait trop longtemps déjà qu'il y a ce niveau-là. Le pont est passé crème, sérieuse, ça m'embête quoi. Si le pont est passé crème, il faut que ça aussi, ça passe crème. Mais non! Voilà, là ça passe. Pourquoi l'autre côté ça passe pas? Qu'est-ce que je fais de différent? C'est la révélation du jour. En plus, là, il n'y a personne qui peut prendre le contrôle de ta manette pour t'aider. Ouais. Si vous voulez le faire, vous êtes les bienvenus. La porte, elle est ouverte. J'espère que le temps que vous arriviez, j'espère avoir fini le jeu. Voilà.
sais pas pourquoi j'ai du mal là. Et puis pourquoi il y a cette porte là? Pourquoi il y a ça là? Pourquoi ça? Moi ça me perturbe ce genre de choses. Pour moi ça veut dire passage secret. Sauf qu'il n'y a pas de passage secret. Allez. Le tourniquet de la mort. C'est pas la bonne plateforme encore une fois. Il faut être sur l'autre. Ah. J'ai visé à côté. Je préfère m'éclater au sol comme ça, sans perdre de points de dégâts, de points de vie, plutôt que de m'éclater sur le pic qu'il y a magnifiquement à gauche là. Ok. Oiseau en fixe. Truc qui tourne. Oiseau. Truc qui tourne. Mais même Mario à côté, c'est plus intéressant, quoi. Ok, bon, là on réfléchit. L'oiseau est fixe. Voilà, punaise, c'était celle du haut qu'il fallait que je vise. Pas celle du bas. Faut que je le retienne, ça. Oiseau qui bouge, plateforme. La petite vie. Qui sera pas de refus, mais on sait très bien que dans 2 secondes, elle est perdue. Plateforme, oiseau. Sérieux?
Ah non, c'est... Oh punaise, mais... Oh là là. Putain, j'ai les lunettes qui m'appuient sur le nez, je vous raconte même pas, ça me fait super mal. Des vies, donnez-moi des vies. Allez, le retour des vieux. Eux, ils me cassent bonbons, eux. C'est oiseau, oiseau et plateforme fixe. Oiseau, oiseau, plateforme fixe. Ça, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, donc on n'y met même pas les pieds. On attend. On attend. Punaise, c'est le game over, quoi. Oh là là. Oiseau, game over. Fin de partie. Prochaine fois, c'est la bonne. Je suis pas aussi optimiste. Je me méfie d'eux maintenant. Ouf. C'est pas passé loin.
perdu. Il reste que deux vies, hein. Seulement deux vies. J'arrive pas à avancer hyper loin, c'est affreux. C'est affreux. Let's fight with Red Bandicoot from oppressive Wampa Fruit Taxis. Yes, but the game is very, very difficult. And I'm not the best on that. An hour on this level. Oiseau, ok, on est bon. Non, oui, c'est bon. Ok, ça, ça passe. Oiseau, allez, les caisses. Oiseau, ok. Non, mais pourquoi je... Ça, je le comprends pas. Hein. Et là, on se retape tout le passage affreux. Ça, je le comprends pas, le truc, hein, avec le vieux. Qu'est-ce qu'ils sont allés nous foutre des vieux dans ce donjon, là? J'avance pas, c'est ça le truc, c'est que même pas il y a une évolution de... Il y a même pas il y a une évolution dans ce niveau, c'est que j'avance pas. Même dans le niveau du pont, la semaine dernière, il y avait quand même une évolution, j'arrivais de temps en temps à avancer. Là, je n'avance pas. Et pas du tout.
Bon. Fin de partie. Une pause s'impose. Une pause s'impose, du coup, c'est la pause. Je reviens dans je sais pas quand. Un jour, peut-être. Je ne dis pas combien de temps va durer la pause, c'est le suspense. Peut-être dans 1 minute, peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 3 heures, peut-être dans 3 ans. Ça ferait une longue pause quand même. Je pense qu'entre l'électricité ne tiendra pas d'ici là. Je me mets un marqueur dans le chat. YouTube, cordialement bisous. Twitch, à dans pas longtemps, et je vous mets une vidéo d'attente. Soutenez le crowdfunding de l'association, c'est important.